là aussi. En passant, donc je suis pas tout seul, quand même. J'ai pas fait le compte, honnêtement, au niveau des cartes. Mais je pense qu'on est rendu au-dessus du 300. Donc ça va être très intéressant comme sortie. Puis les développeurs disent qu'ils veulent faire à peu près 4 sorties de 7, si on veut, par année. Ce qui nous fait une sortie aux 3 mois, ce qui est très raisonnable, je trouve, pour un target. Fiendish Cabalist. Ok, c'est une 0-1 pour 3. Cette troupe-là gagne plus 1 pour chaque carte qu'il y a dans les mains de l'opposant. Je suis pas sûr. Le fait qu'il arrive au troisième tour me semble c'est un peu tard. Je peux me tromper, mais me semble que c'est un peu tard. Ensuite, Furious Taskmaster. Une 2-2 pour 2. Non, je la tape pas. Je tape 1. Puis un target orc que je contrôle gagne speed ce tour-ci. Donc, c'est une carte qui donne haste finalement avec les termes magic à une autre créature. Pour 1. Intéressant. Gem Crazed Berserker. J'adore. Nice. Nice, nice, nice. 3-1 pour 3, mais socketable. Donc, comme on disait tantôt, on peut y rajouter bien des affaires. À 3-1, j'imagine que le Swift Strike devient intéressant. Sinon, j'aime beaucoup celle-là ici pour cette carte-là. Quand la troupe rentre en jeu, elle fait des points de dégâts égales à une troupe random égale au nombre d'attaques qu'il y a. Comme il y a 3, ça peut être intéressant. Ouais. Giant Army Ants. Une 3-3 crush pour 4. C'est standard. Une 3-2. Une 3-2 Swift Strike. Donc First Strike, puis Rage 1. Wow. Le Heart est nice pour 5. Gore Seeker. C'est assez intéressant le mix entre Rage et Swift Strike, évidemment. Parce que Rage va booster l'attaque à chaque fois qu'on attaque avec. Donc, intéressant. Ça non plus, je l'avais jamais vu. Heat Wave. Pour 2, ça fait 2 points de dégâts pour à chaque troupe, pardon. Toujours intéressant des cartes comme ça dans un deck qui a du contrôle le moindrement. À ne pas jouer idéalement dans un deck de Winnie. Donc des petites créatures, à moins d'être un peu mazo. Hellhound. Le Heart est intéressant encore une fois. Bon, une 4-4 pour 6. Insockable, donc très cool. Puis je peux payer 1 pour y donner plus 1 d'attaque ce tour-ci. Il n'y a pas de flow vraiment dans cette carte-là. C'est sûr qu'elle coûte 6. Mais considérant que tu peux la socket, c'est excellent. Imp Hoodlums. Oh, j'aime bien le Heart. Une 2-2 pour 3. Quand cette créature-là rentre en jeu, je destroy un artefact d'un opposant. Je sais que vous êtes peut-être tanné de m'entendre dire ça, mais le Heart est cool. Désolé, il faut que ça sorte. Un trop plein d'émotions. Insight Fury pour 3. Une target troop gagne un Rage 2 permanent. Wow. Donc avec mon petit ami ici, ça devient vite dégueulasse. Ou je dirais n'importe quelle troupe qui a crush à la limite, ça pourrait être bon aussi dans un deck de rouge-vert genre. Excellent. Le Légionnaire of Gawain. Une 3-3 pour 5. Quand elle rentre en jeu pour chaque carte qui l'a inspirée, elle fait 1 point de dommage à chaque
champion et troupe ennemie. Ça aussi, c'est nouveau dans le jeu. Et c'est très violent. Parce que, à 5, je dirais qu'à peu près toutes les cartes de Inspire vont l'inspirer. Donc, s'il y en a déjà, mettons, 3 en jeu, elle fait 3 points de dégâts à toutes les autres ennemis, puis toutes les autres champions. C'est pas loin d'un win the game card, ça. Puis elle est pas trop chère. À 5, là, c'est assez intéressant. Normalement, à 5, dans un bon deck d'Inspire, tu vas avoir au moins 3 cartes Inspire. Au moins. Si tu te fais pas wiper ton board. C'est fort. Lord Alexander the Courageous. J'aime le art. Une 3-3 pour 3. Inspire, comme on parlait tantôt. Inspire, ça fait que dans le fond, quand qu'une autre troupe qui coûte 3 ou plus entre en jeu, la carte qui a Inspire va y donner une habilité. Dans ce cas-ci, c'est Speed. Donc, ça donne haste à chaque carte que je vais jouer après Lord Alexander qui a 3 ou plus de valeur. Donc, vous pouvez voir pourquoi ça devient écœurant. Parce que en plus, ça gagne les habiletés, évidemment. Yeah. Rage Fire! Une de mes cartes préférées qui a été nerf dans le dernier patch. C'est correct aussi parce que c'était fort en tabarouette. Rage Fire, donc pour 2, je fais 2 points de dégâts à un target champion ou une troupe. Ce qui est moins fort, c'est que c'est un basic action. Donc, je peux le jouer comme un sorcerie, donc juste à mon tour. Ce qui est très fort, par exemple, c'est ça là, Escalation. Escalation, c'est que quand j'ai joué la carte, je la remets dans mon deck, puis elle gagne 2 de dégâts. Donc, le Escalation, ils l'ont changé, parce qu'avant ça, c'était exponentiel. Maintenant, ça rajoute le nombre qu'il y avait originalement sur la carte. Donc, dans ce cas-ci, il va rajouter 2 à chaque fois. On va en voir d'autres tantôt des escalations, vous allez voir, ça change. Voilà. Lord, t'es pas écœurant, mais c'était correct. Ok, Rampaging Tarrasq. Une 8-1, haste, crush. Ouch. C'est violet. Elle coûte 5, mais 5 très chaudes rouges. Donc, à moins que tu joues pas mono ruby, ça sera pas évident à sortir. Sauf si t'as beaucoup de cartes qui t'accélèrent au niveau du... Non, ça même pas, ça te prend du très chaud. Fait que ça va être dur à sortir, mais c'est vraiment dégueulasse. 8-1 Speed Crush pour 1. Lord m'excite pas plus que ça. Je suis déçu. Mais bon. Ruby Aura pour 2. Une Target Troop gagne plus 1 et Swift Strike. Excellent, ça se fait en quick action, donc c'est une très bonne réponse. Rien à dire contre cette carte-là. Ruby Enchantress, j'aime bien le heart. 2-2 pour 3. Elle a Inspire. Donc, ce qu'elle fait comme Inspire, c'est qu'elle va donner Swift Strike à tous ceux qui rentrent après elle qui ont 3 ou plus. Ça peut jamais être mauvais. Ruby Lance. Ça me dit quelque chose, Ruby Lance. Ruby Lance pour 3, ça fait 1 point de dégâts à une troupe pour chaque threshold rouge que j'ai. Donc, encore une fois, dans un mono rouge, c'est dégueulasse. À 2, ça aurait vraiment été bon. À 3, c'est quand même bon, mais c'est pas overpower. Ruby Pyromancer, j'aime bien ça aussi. 2-1 pour 2, Inspire, qui va donner permanent plus 1 d'attaque à ceux qui vont rentrer après elle, qui ont 2 ou plus. C'est basic, mais ça reste bon. Savage Rider, 2-1 pour 1, puis est obligé d'attaquer si elle est capable à chaque tour. Donc, ça c'est une autre de ses grandes habiletés classiques dans Magic. Shadowblade Lurker, c'est un nouveau ça. Une 2-3 pour 3. Flat.
Ah, le art est vraiment écœurant. La carte est comme me. Mais c'est une common. Je peux pas dire c'est. Non, c'est mauvais. Mais le. Ah! Ça, là, les amis, on appelle ça un art gaspillé. Wow! Dommage. Sniper of Gawain. Ok, une 2-2 pour 5. Quand cette troupe-là entre en jeu, elle fait des dommages égaux à son attaque à un target champion ou troupe. Je trouve ça cher en baptême. Ouais, c'est cher. Suppressive Fire pour 1. Jusqu'à 2 troupes peuvent pas bloquer ce tour-ci. Donc, c'est aussi fort que rendre imbloquable, même peut-être plus, parce que pour 1, 2 troupes, c'est vraiment pas mauvais. C'est même vraiment très bien, ça. C'est une autre carte que j'avais pas vue. Hey, ils ont vraiment rajouté un shitload de cartes. Ok. Sword Trainer, une 2-2 pour 4. Elle a Inspire. Elle gagne. Les autres cartes gagnent plus X plus 0. Ou X et sa force d'attaque en partant. Mais 4 ou plus, c'est pas. Non. C'est pas incroyablement fort. C'est pas mauvais, là. En fait, elle mixerait très bien avec. Hey, c'est dégueulasse. Ça devient une 16-1. Speed Crush. Si l'autre a un Swift Strike, il est correct. Mais sinon, ouch. Ouch. Total Meltdown pour 4, ça détruit tous les artefacts de l'ennemi. Donc c'est une carte qui ne servira pas souvent. Ça peut être une bonne carte de sideboard par contre. En tournoi ou des choses comme ça, quand tu joues contre beaucoup d'artefacts. Circonstanciel, c'est ça le mot que je cherchais tantôt. Voilà, cette carte est très circonstancielle. Merci, cerveau. Unmerciful Tormenta. Une 1-1 pour 1. Quand t'as pas de carte dans les mains, cette troupe-là gagne plus 3, plus 3. Je me le suis fait jouer une couple de fois, ça. Puis dans un deck, justement, de petites créatures, ça devient rapidement intéressant parce que normalement, on. Je dirais 4e, 5e tour, gros max. T'as plus de cartes dans tes mains. Fait que techniquement, c'est fort. Surtout que ça reste un orc. Puis vous vous souvenez ce que j'ai dit des orcs tantôt. Ok, le War Machinist. Un 1-1 pour 1. Quand un artefact rentre en jeu sous mon contrôle, cette carte-là va faire 1 point de dégâts au champion ennemi. Donc, ça peut bien se mixer avec des trucs comme Volcanon qu'on a vu tantôt. Wrathseeker. Un 1-1 pour 3 avec Rage 2. C'est ordinaire parce que juste Rage 2, si l'autre a une créature pour se défendre, c'est pas la grosse affaire. Rajoute 10 Swift Strike. Ça devient assez dégueulasse. Pour 3, là, c'est une bonne carte. Ouais. Qui peut rentrer dans un combo. Zoltog, une nouvelle carte, ça aussi. Une 4-4 pour 4. Threshold 2. Quand un orc que tu contrôles. Quand un orc que je contrôle fait des dommages à un champion, ça fait un Savage Raider, puis ça le met en jeu. Un Savage Raider, c'est un orc. 1-1, me semble, qui est obligé d'attaquer à chaque tour, quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, mais me semble que c'est un orc 1-1. Bref, cool. Mancubus.
Je sais pas trop quoi penser.